C'est après quelques années que le hasard a fait que je puisse voir, dans un autre angle de la montagne, que je puisse voir de l'autre côté de ce mur. Alors j'ai vu vraiment qu'il y avait un jardin abandonné. Mais jamais j'ai vu les jeunes filles. Et après, je suis rentré dans ce que j'appellerais ma musique, ma vraie musique. C'est le côté... le côté interne, pas visuel. J'ai cherché avec les charmes la recherche d'une musique à l'état pur. Et je crois que ça comporte mon anecdote. Quand une fois on parlait de compositeur, et je m'en suis défendu même, en disant que je n'étais pas un compositeur. Alors on m'a dit, mais qu'est-ce que vous êtes alors? Alors j'ai répondu, je ne suis qu'une musique. Et encore une musique la peu composée du monde. Ça correspond précisément au cahier de Charles. Quand j'écris, je peux dire que je ne pense à rien. Et surtout, je ne peux pas penser la musique. Je suis un musicien dominé par la forme intuitive.
et je ne peux pas penser à la musique. Si j'étais sourd, je ne pourrais plus écrire une note. Alors je ne cherche qu'à découvrir de la musique. Je dois être même distrait quand je travaille. Si je veux penser beaucoup à ce que je fais, si je veux moi intervenir avec ma tête, ça n'avance pas. Mais un exemple, mon prélude pour la main gauche, c'est seulement une ligne mélodique. Ça, j'aurais pu le penser, moi. Parce que je suis capable de penser une ligne mélodique, bonne ou mauvaise, mais je peux la penser. Ce qui est plus difficile de penser, c'est les harmonies. Hein. Et ce prélude, je l'ai commencé en parlant avec un de mes amis. J'avais ma main gauche sur le piano, et tout d'un coup, boum, j'ai entendu quelque chose.